Je vais enlever ce parapluie, ça rase, il m'énerve. I was good on my own, that's the way it was. That's the way it was, you was good on the love of it. Salut tout le monde! Donc j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée parce que c'est le week-end, you know! Donc comme d'habitude, si tu viens d'arriver sur ma chaîne, je te conseille de t'abonner en cliquant juste en bas. C'est super simple. Simple, ben oui, simple. Et si tu l'as déjà fait, tu peux activer la cloche. Comme ça tu sais quand est-ce que je sors une nouvelle vidéo. N'hésite pas à mettre ton gros pouce bleu. Et si on peut prendre les 6000 j'aime, vous pouvez le faire, vous l'avez déjà fait parce que vous êtes les meilleurs. Pourquoi je suis excitée comme ça là? Donc avant que la vidéo commence, je voulais vous dire qu'elle est sponsorisée par Filmora. Ils m'ont gentiment contacté pour que je puisse parler de leur nouveau logiciel qui est disponible uniquement sur Windows. Donc en ouvrant le logiciel, vous pouvez constater qu'il y a plusieurs catégories comme par exemple photo editor, photo cutter, photo eraser. Donc on va commencer par photo editor. Donc vous importez d'abord votre photo que vous voulez éditer. Et sur le côté à droite, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs filtres qui sont à votre disposition. Des filtres super populaires que vous avez par exemple sur Instagram. Vous pouvez recadrer votre photo si vous estimez qu'elle n'est pas bien cadrée. Vous pouvez aussi modifier la photo manuellement en changeant la température, la teinte, la luminosité, le contraste, tout ce que vous voulez. Vous pouvez également rajouter un cadre à votre photo pour un côté plus artistique. Et l'avant-dernier truc que vous pouvez faire, c'est mon truc préféré, c'est genre rajouter des sortes de lumières de plusieurs couleurs sur la photo en changeant l'opacité. Donc moi j'aime bien mettre l'opacité à 15, comme ça, ça fait un beau rendu. Si vous voulez envoyer la photo à quelqu'un en laissant un petit message, vous pouvez mettre un texte aussi. Alors pour Photocutter, c'est super super cool les gars. En fait, vous pouvez modifier par exemple, là dans la photo, je ne veux plus du ciel, c'est-à-dire que je veux changer le ciel. Tout ce que vous allez faire, c'est marquer les zones à supprimer. Donc moi j'ai marqué le ciel et boum, vous l'effacez et vous pouvez le remplacer par une autre photo que vous aurez choisie, que vous aurez importée d'internet. Et le dernier truc, c'est photo eraser. Donc en fait, vous pouvez effacer tout ce que vous voulez sur votre photo. Disons que vous faites une photo dehors et qu'il y a un individu derrière vous que vous voulez pas le voir dans votre photo. Tout ce que vous avez à faire, c'est sélectionner l'individu en le contournant comme je le fais avec la tour Eiffel et vous l'effacez tout simplement. Ce que j'aime bien avec ce logiciel, c'est qu'il est super simple d'utilisation et vous avez un résultat super bien. Donc n'hésitez pas à télécharger la version d'essai qui est gratuite, qui est en barre d'infos. Et si le logiciel vous plaît, vous pouvez l'acheter, il est pas très cher. Et sans tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je pense que je suis pas la seule à traîner sur Instagram, parce que dernièrement c'est genre tout le monde y va, c'est un truc de ouf. Et je tombe toujours sur ces vidéos genre d'astuces, de je sais pas quoi, DIY youtubeuse beauté, je sais même pas. Et je me dis genre ah c'est cool et tout ça, mais est-ce que ça marche, est-ce que ça fonctionne même? Du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer certaines astuces, si elles fonctionnent ou pas. Donc là, vous aurez la certification, le petit badge là. Donc si ça fonctionne, moi je vous le dis, vous le refaites chez vous, tranquille, pépère. Une expression que je n'utilise jamais, je sais pas d'où elle est sortie. Donc le premier truc, il faut genre faire bouillir de l'eau, très chaud, genre tu vois, bouillir c'est normal. Et vous prenez un peu de confiture et vous, vous foutez le couvercle à l'intérieur. Et normalement après vous tournez juste et ça s'ouvre très rapidement. On sait tous que c'est super galère d'ouvrir un pot de confiture. En tout cas pour moi parce que moi j'ai pas de force. Donc là je vais chercher l'eau bouillante parce que le micro-ondes est en train de m'appeler. Donc là j'ai mon petit bol, en fait j'ai peur de renverser l'eau. D'ailleurs il est super beau, Monster Munch. C'est Monster Munch, ouais, je sais même pas. Et là j'ai mon petit pot de confiture. Donc on va essayer ça tout de suite. Ah ça fait des bulles. On va l'enlever. Je sais pas, je fais un tuto, on va l'enlever. Bah non, bah non. Bah non, ça fonctionne pas. Je pense qu'il faut laisser un peu plus. Donc je vais juste le foutre à l'intérieur. On va voir dans une minute. Oh, sa mère. J'ai renversé l'eau. Je vais vous montrer, oulala, oulala. Je l'ai mis dans le bol, ne faites pas attention au bordel tout derrière. Yeah, 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 yeah. Donc là je pense que c'est ok normalement. Là si ça fonctionne pas, ça fonctionne vraiment pas. Et ben non ça fonctionne pas, c'est faux. Sinon ça s'ouvre directement. Ça fonctionne pas, donc la première astuce, je dis 9. Donc la deuxième astuce que j'ai vue, c'est genre tu prends un œuf, tu le mets dans un verre que tu remplis de vinaigre et tu laisses pendant 24 heures. Donc moi je l'ai laissé la journée, enfin de ce matin jusqu'à maintenant parce que je suis une blédarde, tu vois, j'ai pas tout respecté jusqu'à tout. Les gars là je viens de chercher le verre, là c'est en train de puer devant ma gueule, le vinaigre. Ah, et on dirait pas il y a eu un truc chimique là, on dirait il y a eu une expérience chimique à l'intérieur. Je vous avoue que j'ai un peu peur de le toucher parce que là rien qu'à sa gueule, je vous mettrai des images. Donc voici la gueule de la chose, sachez que le truc marron qui s'est formé au dessus, je sais pas d'où c'est sorti hein, donc c'est pas de ma faute. Donc là je vous dis normalement c'est censé faire genre un truc mou, genre comme un ballon.
serai archi deck si ça fonctionne pas. Par contre, les gens dans la vidéo, ils ont pris un œuf blanc. Moi, j'ai pas pris un œuf blanc, mais je sais pas si ça peut changer quelque chose. Putain, j'ai peur. Les gars, attendez, je vais rincer ça parce que j'ai peur que là, ça éclate. Non. Donc les gars, je pense que ça fonctionne, regardez. Genre, je sais pas si vous allez voir, mais... Enfin, c'est mou. Genre, tu vois, c'est mou. Donc, je pense que j'aurais dû laisser un peu plus longtemps. Parce que, enfin, normalement, il faut le laisser 24 heures. Donc, astuce validée. Donc, la troisième astuce, c'est genre, vous voyez quand votre stylo, il fonctionne plus. Bah, vous prenez un briquet, genre, vous chauffez. Et, normalement, il fonctionne. Donc, on va voir ça. Ça se voit que moi, je suis pas habituée à utiliser ce genre de choses. Hein. Là, je me suis munie de Maria parce que moi, je sais pas allumer un briquet. Donc, là, j'ai des feuilles. Donc, mon stylo bleu, il fonctionne pas de base. Vas-y, Maria. Coucou! Mais vas-y. Une cassos. C'est bon là? Je pense que c'est bon. T'es en train de brûler le stylo, ma puce, putain. C'est pas grave. Ah bah dis donc, voyons si ça fonctionne. Eh bah non. Eh bah non. Ça ne marche pas. Donc n'utilisez pas cette merde pour brûler votre stylo. Déjà qu'il est mort, je viens de le brûler, regardez-moi ça. Voilà. Donc pour cette astuce, comme vous avez pu le voir, comme vous l'avez compris, c'est un gros fail. Ne dépensez pas votre stylo là-dedans. Ne dépensez pas un briquet là-dedans. Donc pour cette astuce, genre, il faut que vous ayez un téléphone qui est cassé. Et normalement, genre, on doit mettre du dentifrice. Et ça part. Dentifrice Colgate, hein, basique. Par contre, tu n'as même plus, c'est la Hess. Ça rentre chez toi. Donc là, il faut l'étaler. Donc là, je l'ai étalé, je vais voir ce que ça donne en l'essuyant. Ça ne marche pas. J'ai l'impression que j'ai que des fails là. Donc n'essayez pas cette astuce. Vous avez juste un téléphone tout dégueulasse à la fin qui pue le dentifrice. Par contre il nettoie un petit peu bien. Donc pour cette dernière astuce, genre si vous aimez bien cuisiner tout ça, pas comme moi parce que moi je sais pas cuisiner. Genre un jour si vous avez pas de truc pour attraper par exemple vos œufs qui sont en train de bouillir dans l'eau, vous prenez deux fourchettes, vous mettez un élastique. Et après ça vous fait un petit clapet comme ça. Donc on va essayer, je pense que ça va fonctionner ça, mais on verra. Donc là après plusieurs minutes de recherche d'élastique, j'en ai enfin trouvé un. Il est vert, ne me jugez pas s'il vous plaît. Donc genre vous mettez votre élastique comme ça ici. Et là normalement quand je vais appuyer, ça va me faire une sorte de... Ah ça fonctionne. Regardez. Genre là je peux l'utiliser. Donc du coup là je peux prendre mes cheveux, tu vois. Donc voilà, cette astuce est validée, elle est réussie. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, me suivre sur mes réseaux sociaux, je suis très très active là-bas. On parle, on discute, blablabla, nanana. Donc l'abonné du jour, parce qu'on va appeler ça l'abonné du jour, c'est beaucoup mieux, c'est Sarah-Unicorn10. Donc merci d'avoir activé les notifications. Donc si toi aussi tu vas apparaître dans la prochaine vidéo, tout ce que t'as à faire, c'est activer la cloche et m'envoyer la preuve sur Instagram qui est... Right here. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.